La pire chose que je puisse faire, c'est repousser. Comme on dit, mieux vaut essayer que de ne jamais essayer. Parce que quand tu essayes, tu échoues, tu te relèves et tout. Mais quand tu n'as pas essayé, c'est horrible parce que tu vas te dire, oh, j'aurais pu essayer, j'aurais pu essayer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, c'est de comment ouvrir son entreprise ou comment devenir entrepreneur ici au Sénégal. Je vais vous expliquer par rapport à mes connaissances à moi, je précise bien, par rapport à ce que moi je sais et à comment j'ai eu à faire mes démarches à moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'entreprends ici au Sénégal depuis 2020. Enfin, j'ai commencé en 2018, pardon, 2018, oui, 2018, pendant que j'étais encore étudiant. Je faisais des petits business à côté, etc. Mais vraiment, je me suis vraiment concentrée là-dessus en 2020, où j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur comment être reconnue, c'est-à-dire que j'entreprends de façon légale, etc. C'est vraiment en 2020 que j'ai commencé à me renseigner, ok? Et actuellement, je le suis toujours. Si vous me demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Je vends des produits cosmétiques, je vends des produits alimentaires. Donc, pour info, je suis ingénieure en management de la qualité et technicienne en agroalimentaire, mais également ingénieure en gestion des projets. Je sais que ça fait beaucoup. Parce que des fois, on me dit, mais toi, t'es une fille, t'as deux masters, c'est pour faire quoi? Bah, c'est pour faire ce que je fais. Parce que grâce à mes masters, grâce à ce que j'ai fait à l'école, notamment le management de la qualité, notamment la gestion des projets, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, sans pour autant vraiment payer des gens en dehors de certains pour les sites, pour la comptabilité, gérer l'argent, etc. Mais sinon, vraiment, je le fais tout seul. Donc, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils si vous envisagez de lancer votre entreprise et ce sont égal d'entreprendre. Donc, c'est parti! Alors, déjà, la première étape avant de vous lancer, avant de vouloir créer quelque chose, il faut d'abord avoir l'idée du produit ou du service que vous voulez créer. Vous devez bien définir votre idée de projet. Étudiez bien votre marché, c'est-à-dire vos clients potentiels. Est-ce que le pays dans lequel vous êtes, notamment au Sénégal, est-ce que votre service ou votre produit peut atteindre une large audience? Est-ce qu'il y a quand même de la demande? Et aussi, surtout, essayez de voir ceux qui ont peut-être déjà créer le même produit et un produit similaire dans tout ça, quelle sera votre petite touche, votre touche à dire, qu'est-ce qui va rendre votre projet, votre service, votre produit unique dans le sens où X vend ça déjà, mais pourquoi je vais l'acheter chez elle en fait? Donc, n'ayez pas peur de vous renseigner, de faire des recherches approfondies sur le sujet. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé à faire mes produits, lorsque j'ai commencé à me renseigner, la première fois, c'était d'abord parce que j'avais coupé mes cheveux et je trouvais pas vraiment. J'ai des cheveux rebelles, on va dire. J'ai des cheveux très, très crépus et j'arrivais pas à trouver des produits qui maintenaient vraiment l'hydratation de mes cheveux de façon. L'eau, en fait, genre, mes cheveux restaient hydratés durant un long moment que je n'ai plus à les réhydrater encore. Parce que les produits que j'achetais, même les produits de commerce qui coûtaient hyper cher, parce que j'appliquais ça sur ma tête, au bout de quelques heures, mes cheveux redevenaient encore secs. Donc. Et aussi, lorsque j'avais accouché, quand j'avais mon premier enfant, j'avais eu à avoir des vergetures au niveau de mon ventre et au niveau de mes cuisses. Et je savais pas vraiment comment faire pour les atténuer vraiment efficacement. C'est-à-dire que quand on les voit, on va plus trop remarquer que j'ai des vergetures. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment zoomer.
Parce qu'on va pas se mentir que les vergetures ne s'effacent pas complètement. C'est-à-dire que ça va pas enlever ou laisser la peau vieux. Non. C'est juste que voilà, comment trouver un produit qui allait vraiment les estomper au point où on ne les voit pratiquement plus. Et j'ai acheté pas mal de produits, mais tout était fake en fait. C'est-à-dire que tout était fake. Je me suis dit non, ça, il faut vraiment que je puisse trouver l'ingrédient qu'il faut, qui va permettre d'arriver à stamper de façon visible et argentique. Quand je me suis, j'ai vu l'autre jour, c'est qu'ici, les femmes se dépigmentent beaucoup la peau. Et qui dit dépigmentation de la peau dit apparition des vergetures. Mais attends, c'est un bon marché. Ensuite, si vous avez votre idée, vous devez choisir la structure juridique de votre entreprise. Alors, ici au Sénégal, il y a plusieurs options. L'entreprise individuelle. C'est d'ailleurs par ça que je me suis enregistrée. Je me suis enregistrée en tant qu'entrepreneur individuel. Mais il y a également la société à responsabilité limitée, notamment en sigle SARL, ou alors la société anonyme, donc SA. Maintenant, à défaut de ne pas choisir entrepreneur individuel, c'est-à-dire que une entreprise individuelle, à défaut de ne pas choisir ça, moi je vous propose de prendre la SARL, c'est-à-dire que une société à responsabilité limitée. Donc ça va vous permettre de protéger vos biens financiers tout en limitant vos risques personnels. Si vous hésitez, parce que je peux pas vraiment vous expliquer, vous donner les détails, je vous conseille d'aller vous renseigner, c'est-à-dire prendre toutes les informations envers un expert comptable ou un juriste qui va vous aider, qui va vous éclaircir, qui va vous détailler en fait chaque option que vous pouvez choisir, la structure juridique que vous voulez. Si c'est l'entreprise individuelle, ils vont mieux vous expliquer. Moi, par rapport à comment on m'a expliqué, ben j'ai déjà décidé de prendre l'entreprise individuelle parce que ben je travaille toute seule. Je peux travailler qu'avec un seul collaborateur, c'est-à-dire que en tant qu'entreprise individuelle, je n'ai que la possibilité d'avoir un seul collaborateur, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec plus de deux personnes. À ce moment-là, ça devient une société. Et ça, c'est d'autres démarches. Donc voilà, moi, je travaille juste avec un collaborateur, en quelque sorte, qui est mon mari. En vrai. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander conseil sur ça, à vous renseigner. Et ça va être beaucoup mieux pour vous. Une fois que vous avez choisi la structure juridique qui vous convient, d'entendre de rédiger les statuts de votre entreprise. Si vous êtes déclaré en tant qu'entrepreneur individuel, vous allez carrément sauter cette étape parce que moi, j'avais pas besoin de faire ça. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent avoir une structure. Genre, si c'est une société, si vous voulez créer une société, c'est-à-dire une société anonyme ou à responsabilité limitée, à ce moment-là, vous aurez vraiment besoin de cette étape-là. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ça, vous pouvez aller contacter un avocat ou un notaire qui va vous aider à mieux dire, à mieux rédiger ce document-là qu'on remet. Je peux pas vous dire exactement comment est le document parce que ben, moi je l'ai pas vu, on me l'a pas donné puisque ça me concernait pas. Et donc voilà. Donc si vous allez créer une société, sachez que on devra vous remettre un document, c'est-à-dire la répartition des parts, si vous avez des collaborateurs, si vous avez des partenaires, etc. La gestion. Ensuite, vous devez vous enregistrer voilà, de façon officielle en fait. Votre entreprise puisse exister légalement, vous devez l'enregistrer auprès des autorités compétentes. Simple. Et ici au Sénégal, vous devez vous rendre à la PIGS. Donc, si vous savez pas, où est-ce que je peux aller pour aller me renseigner sur mes documents pour m'enregistrer en tant qu'entreprise, etc. C'est à la PIC. C'est l'agence de promotion des investissements et de grands travaux. Ce sont eux qui s'occupent de l'enregistrement des entreprises. Dans tout type d'entreprise, que ce soit individuel, que ce soit une société, etc. C'est là-bas que vous devez aller faire votre enregistrement. Ce que vous allez faire, c'est que vous devez fournir là-bas vos statuts, une copie de votre pièce d'identité. Si vous êtes étranger, de votre passeport, vous aurez besoin d'un justificatif de domicile, d'un casier judiciaire. Je pense qu'il y a quelques petits documents qu'on nous demande qui sont pas très compliqués à avoir. Et franchement, je vais vous dire quelque chose, moi. Pour la première fois, j'étais vraiment
agréablement surprise. Je me disais que je suis étrangère, enfin, ça va être forcément la galère pour moi pour pouvoir aller là-bas faire mon enregistrement tranquillement et tout. C'est sûr qu'on va me mettre les bâtons dans les roues parce que je suis une étrangère et surtout que j'étais partie toute seule, c'était vraiment pas évident. Mais je vais pas vous dire que j'étais tellement choquée que même pour aller prendre mon certificat, mon casier judiciaire, j'étais même pas partie à mon ambassade, parce que je vais pas vous dire, à l'ambassade, on avait tellement compliqué, je sais pas pourquoi, je pense que j'avais pas ma carte consulaire, j'avais perdu ma carte consulaire parce que elle ne servait plus à rien, du coup, bah, quand elle a expiré, j'avais déjà ma carte étrangère, je me suis dit, ah. Moi, j'ai fini avec l'école, j'ai ma carte étrangère, déjà ma carte de séjour, la carte consulaire, en vrai, elle ne sert à rien parce que la plupart des endroits où je vais, c'est soit on me demande mon passeport, soit on me demande ma carte de séjour. On m'a jamais demandé ma carte consulaire. Donc, je me suis dit, je vais pas aller renouveler ça. Et au moment d'aller faire, obtenir mon casier judiciaire pour voir ce qu'on me demandait et tout, je suis allée à l'ambassade parce que je me disais que c'est à l'ambassade que je dois aller faire mes demandes puisque je suis congolaise. Mais ils m'ont tellement compliqué, ils m'ont dit non, avant on peut se faire le casier judiciaire, il faut que tu fasses d'abord me donner 7 000 francs pour avoir la carte consulaire et tout et tout et tout. J'ai dit rien. Mais ça sort de ça. Donc après, je me suis renseignée et tout, et on m'a dit que tu peux aller directement au ministère de la Justice et tu vas obtenir ton casier judiciaire. Il y a un endroit, il y a un bureau spécial pour les étrangers. J'ai dit ah, ok, sérieux, d'accord. Je me suis rendue au ministère de la Justice au centre-ville. Et je vous promets que j'étais surprise, mais de façon agréable. Je m'y attendais pas du tout. Franchement, chapeau, de ce côté-là. Vraiment, comparé à nous au Congo, et je vais pas faire débat dessus, mais, quand je suis partie, on m'a reçue. Il y avait vraiment pas de gens. Et il y a pas du tout de discrimination. Tu arrives au niveau du ministère de la Justice, tu expliques, tu dis que voilà, tu viens pour le casier judiciaire pour étrangers, on va te diriger le bureau. Sans pour autant te prendre la tête, sans pour autant te compliquer, on te dirige. Et à ce moment-là, lorsque tu arrives, moi, j'avais préparé, je vous jure, j'avais préparé 10 000 francs. Je me suis dit, c'est quand même demander 10 000 et tout. Mais les gars, tenez-vous bien, on m'a demandé 200 francs. 200 francs. J'ai dit, OK, je me disais peut-être que ça, c'était juste pour les Sénégalais et que les étrangers, vous savez, un montant. Donc, j'ai fait 200 francs et ils m'ont remis ça, je pense. Une heure après, ils m'ont dit d'attendre et tout. Et j'ai un peu tourné dans le marché, sans bagarre. Quand je suis revenue, ils m'ont remis mon casier judiciaire. C'est là que j'ai dit, l'ambassade n'allait plus me voir. Hein. J'allais aller donner 7 000 là-bas pour me donner d'abord la carte consulaire. Et après, vous allez me faire payer encore le casier judiciaire. Alors que je suis partie au ministère de la Justice, j'ai donné 200. Donc, bref. Une fois que vous allez aller à la PIX, je pense que après, lorsque vous allez donner les documents et tout, je crois maximum ce que vous allez payer, si j'ai bonne mémoire, je sais pas si les prix ont changé. Moi, je pense que j'avais payé pas plus de 20 000 francs. Hein. C'est trop, c'est 25 000 francs. Franchement, j'avais pas payé 30 000. Ça, c'est sûr, j'avais pas payé 30 000. Et parce qu'il y a du les timbres, il y a des trucs que tu vas aller payer, tu vas aller payer 2 000 ici, tu vas aller payer 2 000 là. Et franchement, le délai qu'ils donnent, c'est vraiment ce délai-là. Moi, ils m'ont dit de revenir au bout de 2 jours, je crois, je suis revenue 2 jours après. Je suis arrivée. Il y avait du monde, mais chacun ne venait pas pour les mêmes problèmes. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, eh, Seigneur, avec tout ce monde qu'il y a là, moi, je vais passer toute la journée là-bas. Mais choquée, agréablement. Quand je suis arrivée, c'est pas le même cas. Donc, quand tu arrives, tu inscris le nom, je sais plus, tu inscris le nom, bien le monsieur t'appelle. J'ai complètement oublié, ça date un peu. Et après, lorsqu'on t'appelle, tu arrives, le monsieur, il t'appelle et il te remet des papiers. Fin de l'histoire. Tu reçois ton INEA. Tu reçois ton registre de commerce, en fait. Mais. Avec ça prouve que votre entreprise est officiellement reconnue, elle est officiellement enregistrée dans votre go ici. Elle est reconnue depuis 2021, je pense que j'avais fait enregistrer mon entreprise. C'est pas 2021, c'est 2022. Une autre étape importante,
surtout s'ils voulaient être entrepreneurs, c'est d'ouvrir un compte bancaire entreprise. Alors là, vraiment, si vous voulez ouvrir un compte bancaire entreprise, soyez sûr que votre activité est en bon. C'est-à-dire que vous êtes déjà, hein? Si vous venez encore de débuter, ça ne sert pas vraiment d'ouvrir un compte. En tout cas, ça, c'est mon avis. Vous pouvez vous contenter juste d'avoir Wave Business, etc. Parce que déjà, si vous avez votre linéaire, vous pouvez créer votre Wave compte Wave Business, parce que c'est ce qu'on demande là-bas. La plupart des trucs que vous allez faire pour entrepreneur, on va vous demander ça clairement. Et franchement, ça sauve la vie. Donc, si maintenant votre entreprise est déjà arrivée à un certain stade, allez-y, ouvrez votre compte, parce que les comptes, on retire, je pense, un montant, ok? On retire une certaine somme. C'est vraiment essentiel de séparer vos finances professionnelles avec vos finances personnelles, parce que si vous mélangez, au début, j'avais fait ça, j'avais, en fait, j'avais commis cette erreur-là lorsque j'avais commencé mon activité. Je mélangeais tout sur mon argent. C'est-à-dire que je gardais tout dans mon compte et je me disais que c'était pour moi alors que c'était pour développer mon activité. Et des fois, je me retrouve, mais je suis en train de vendre, mais j'ai pas d'argent. Mais je vends tous les jours. J'ai pas d'argent. En fait, c'est pas que t'as pas d'argent, tu dépenses ça comme si c'était à toi, c'est-à-dire comme si c'était pour ton quotidien. Alors que non, c'est pour ton business, en fait. Donc, grosse erreur si vous mélangez vos finances professionnelles avec vos finances personnelles. Grosse erreur. Ici, au Sénégal, il y a plusieurs banques qui offrent la possibilité d'ouvrir des comptes entreprises. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Je ne vais pas vous donner une banque spécifique, mais renseignez-vous et après vous choisissez celle qui vous arrange, celle qui vous convient, celle que vous aimez. Je suis fatiguée. Je suis en train de filmer. Il est minuit. Il y a que à ces heures-là que je peux filmer tranquillement parce que mes enfants dorment et tout. Alors, j'allais oublier, pour obtenir votre linéaire, vous allez le déclarer auprès des impôts afin de l'obtenir, ok? Je dis encore, si vous vous déclarez en tant qu'entreprise individuelle, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas payé les impôts, en fait, parce qu'en fait, vous travaillez seul. Voilà, c'est quand vous allez vous déclarer en tant que société, c'est-à-dire lorsque votre entreprise aura maintenant plusieurs employés, vous allez travailler avec plusieurs personnes. À ce moment-là, vous devez aller changer de statut juridique encore. Mais si vous êtes encore seul, vraiment, la partie des impôts, c'est pas nécessaire, vous n'en avez pas besoin. Enfin, je sais pas, peut-être que ça a changé, renseignez-vous encore, mais en temps normal, je pense pas que vous allez payer les impôts. Je recommande de travailler avec un comptable qui va vraiment vous renseigner sur le sujet. Est-ce que dans votre cas, vous avez besoin de ça? Donc, est-ce que vous avez besoin des obligations fiscales, etc. Renseignez-vous parce que moi, dans mon cas, on m'a dit que, ben, selon le type d'activité que vous envisagez, vous pouvez avoir besoin d'autorisation spécifique. Si vous ouvrez un restaurant, vous avez besoin d'avoir l'autorisation pour la vente d'alcool. Faites bien attention à vous renseigner sur les licences, sur les permis nécessaires sur votre secteur. C'est très, très, très important pour éviter certaines sanctions ou même pire, la fermeture de votre société, de votre entreprise. Donc là maintenant c'est bon, hein? Ok? Je pense que à ce moment-là peut-être que vous avez déjà lancé votre activité, vous avez déjà commencé à faire ce que vous avez envisagé de faire, de fournir, de faire des démarches. Donc là je pense que tout est question de visibilité. Actuellement, ben tout le monde utilise les réseaux sociaux pour faire le marketing, pour faire la publicité, pour parler de leurs produits. N'hésitez pas à investir aussi un peu pour faire le marketing de votre business, de votre activité. Si vous pouvez payer des publicités, ça dépend. Si vous n'avez pas encore un certain nombre d'abonnés, si vous n'êtes pas encore vraiment
Vous n'avez pas atteint une certaine audience, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux, vous n'avez pas plusieurs personnes qui vous suivent et tout. Parce que dites-vous que ce ne sont pas vos proches qui vont faire la publicité pour vous. Franchement, c'est mort. Moi, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que ne jamais compter sur ses proches, ne jamais compter sur son entourage et surtout ne jamais écouter. Hein, les critiques de son entourage, parce que vraiment la plupart c'est plutôt déstabilisé. Déjà de un, ils ne soutiennent pas ton business, et de deux, ils vont critiquer ton business. Il n'y a aucun sens. Tais-toi. Essaie d'obtenir un produit ou un service de qualité qui répond vraiment aux besoins de ton client potentiel, de ta cible en fait. Donc si vraiment ton produit ou ton service va régler un problème, franchement fonce. Fonce les yeux fermés. La pire chose que je puisse faire, c'est repousser. Comment dire, mieux vaut essayer que de ne jamais essayer. Parce que quand tu essayes, tu échoues, tu te relèves et tout. Mais quand tu n'as pas essayé, c'est horrible parce que tu vas te dire, oh, j'aurais pu essayer, j'aurais pu essayer. Faut te lancer. Parce que j'ai lancé mon activité. Franchement, c'était hyper excitant, j'étais hyper contente, mais en même temps, j'étais stressée. C'est hyper stressant aussi parce que tu te dis, est-ce qu'on va acheter ton produit? Est-ce qu'on va acheter tes produits que tu proposes et tout? Et franchement, je vais pas vous mentir que au tout début, c'était, comment dire, c'était petit à petit, genre. C'est après que j'ai vu vraiment l'ampleur. Donc, comme on dit, il faut persévérer. OK? Il faut persévérer. Donc, à toi qui regardes, si tu recherches en même temps des produits cosmétiques pour la peau, pour les cheveux, pour les vergetures, regarde juste dans la barre de description. OK? C'est difficile au début, mais une fois que vous êtes lancé, une fois que c'est parti, franchement, ça devient plus clair, plus fluide. Et vous savez qu'est-ce que vous devez ajuster en même temps. Voilà, je pense que je vous ai partagé l'essentiel pour devenir entrepreneur au Sénégal, pour pouvoir créer votre entreprise. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'avec un peu de persévérance et beaucoup de préparation, ça va bien se passer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de savoir ça. Peut-être quelqu'un qui hésite, qui se demande comment le faire. La personne n'a personne pour lui donner des informations claires et tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là avec elle. Elle va peut-être vous donner plus d'infos, l'éclaircir un peu les idées et tout. Voilà, si ce type de contenu-là t'intéresse, te plaît, n'hésite pas à liker, ok? À t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne. Et si tu es intéressé par les contenus sur le Sénégal, etc., n'hésite pas à revenir ici chaque jeudi à 18h si tout se passe comme prévu. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt.